Nous devisions gaiement un combat pour un titre important se déroulait sur un ring voisin. Et un des combattants, ça n'est pas le plus heureux, m'a demandé de venir se reposer ici, reprendre ses esprits avec son manager. Allez, viens mon petit Marcel, viens, viens mon petit Marcel. Viens, t'as rien à te reprocher mon petit Marcel, t'as rien à te reprocher. Je te jure, t'as été parfait mon petit Marcel, tiens, c'est toi. Il est en berne le drapeau. T'as été parfait mon petit Marcel, hein. T'as rien à te reprocher, t'as été parfait pendant les 20 premières secondes, quoi, hein. Bon, hein. Les 20 premières secondes, il n'a pas donné de coup. Ah bah oui, justement. Il avait vu que t'avais ta garde bien placée, hein. Mais t'es un boxeur facile, Marcel. Après, t'es devenu nonchalant, voilà. Nonchalant? Ouais. Regarde comme t'es avachi encore maintenant. Non, mais sans blague. J'ai très sommeil. Bah oui, t'as très sommeil. Fallait dormir avant. Yeah. J'ai dormi après. Oh, quoi? T'as dormi après? T'as dormi quoi? Une heure, hein? Et c'est pas en dormant après qu'on se remet en forme. Puis regarde-moi quand je te parle, mon Olivier. C'est difficile. Non, c'est difficile, c'est difficile. Même avec les yeux gonflés, il y a les flottes, on peut voir quand même, quoi. Bon, sans blague. Où est-ce qu'il m'inquiète, mon petit Marcel? Ce qui m'inquiète, franchement, c'est tes oreilles. Après le crochet du droit, quand je t'ai dit « lève tes gants » et que t'as compris « lève tes dents », hein, t'avais l'air malin avec les incisives en avant, hein. J'aime avec vrai le bras au deuxième droite. Comme t'as pas fait exprès d'avaler ton protège-dents. Ouais. On va le récupérer. Oui, dans quel état? Et ça coûte cher, un protège-dents. J'ai pas vu arriver crochet gauche. Ah ben moi non plus. Ben moi non plus. Je regardais la pendule, hein. Le temps que je revienne sur le ring, t'étais par terre. K.O. en 38 secondes. K.O. en 38 secondes, comme il dit, ça laisse pas beaucoup de temps pour étudier la technique de l'adversaire, hein. Oh. Remarque bien. Mon petit Marcel. Faut te dire une chose. Que je vais te susurrer tout doucement dans l'oreille, hein. T'as eu la chance de monter sur un ring, et ça, c'est pas donné à tout le monde, mon petit gars. Hein? Puis moi, je vais te le dire, je l'ai vu, la tactique de ton adversaire, hein. Ben, elle était pas terrible, hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Un coup à gauche, un coup à droite, un coup au milieu. Il était comme au théâtre, il a frappé les trois coups. Je vais pas rire, ça me fait mal. Non. Faut garder un peu d'humour, quoi, hein. C'est jamais qu'un sport, quoi. Bon, hein. Oh, allez. Et est-ce que moi, je fais une sale gueule? Et pourtant, hein, la bourse qu'on a touchée, c'est la bourse du perdant. Ah, on partage. Bah, bien sûr qu'on partage. Ah, bon. Alors, Marcel, la bourse, ça fait 5000 balles. Hein, 5000. Bon. Alors, moins les soins, moins l'entraînement. Je te ramène chez toi, là. Moins le transport. Ça fait 150 balles pour toi. Voilà. 150 francs, ouais. C'est exactement la somme dont j'ai besoin. Et qu'est-ce que tu vas en faire, tes 150 balles? Je vais m'inscrire à SOS Homme Battu. Non, 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 allez bien là, bien. Allez bien là. Allez bien.